Gabriel? 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 Oui, j'arrive. Tu vas à l'entraînement cet après-midi? Non, j'ai pas eu d'autres trucs. Sauf faut que je bosse. Non mais, Gabriel, comment tu veux progresser si tu loupes toujours tous les entraînements? Il est d'accord ton entraîneur? Non, il s'en fout. De toute façon, il doit bien voir, c'est pas mon truc le foot. Comment ça, c'est pas ton truc? T'aurais pu y penser avant de t'inscrire? Mais c'est pas ça, mais... je suis boulet de l'équipe. Allez, allez, tu vas y aller, ça va te faire le plus grand bien. Allez, il faut se bouger, là! On dirait que tu vas te briser au moindre coup de vent. T'es mec comme un clou. Je comprends pas. Autant ton frère, il adore le sport, autant toi, c'est une corvée pour te faire courir. Ils sont comme ça, des copains? Donc, la conscience de l'individu n'est-elle que le reflet de la société à laquelle il appartient? Ce que l'on peut commencer par faire, d'abord, avant même la définition, c'est de voir si la question renferme un présupposé, histoire de ne pas répondre à la mauvaise question. Ici, le présupposé est que la conscience de l'individu est, dans une certaine mesure, le reflet de la société à laquelle il appartient. D'accord? Il s'agit simplement de se demander si elle n'est que cela. Bien. Alors, on peut maintenant, une fois que l'on a identifié le présupposé de la question, procéder à la définition des termes importants de la question. Ici, il y en a trois, les termes de conscience, de reflet et de société. On commence par définir le terme de conscience. Pour définir le terme de conscience, on peut se servir de son étymologie. Le mot conscience vient du latin cum scientia, qui signifie avec science. En d'autres termes, la conscience est une connaissance. Mais c'est une connaissance particulière, puisque c'est une connaissance de trois choses en même temps. C'est une connaissance de soi, la conscience de soi, une connaissance du monde, mais c'est aussi une connaissance du bien et du mal. La conscience, c'est également la conscience morale. La conscience, en ce sens, est donc un savoir que nous avons de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Thank you.
pape François vient d'achever son voyage dans le Caucase. Dans l'avion qui le ramène à Rome, il raconte, pour s'en indigner, une anecdote rapportée par un catholique français. Il a demandé à son fils de 10 ans, « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?»« Diventi grande. Ragazza. »« Être une fille. » Et le père de famille s'est alors souvenu que dans les manuels scolaires des collèges, on enseigne la théorie du genre. La théorie du genre. Et le pape de dénoncer une colonisation idéologique. L'éducation nationale française ferait-elle l'apologie de la théorie du genre dès l'âge de 10 ans? Pour le savoir, direction cette librairie parisienne. On voit qu'il n'y a rien sur la sexualité en 6e. Ensuite, si on parcourt tous les livres, il n'y a rien avant la 4e. Et là, on parle seulement des différences entre filles et garçons d'un point de vue biologique, rien au niveau sociologique. Seuls les manuels de sciences et vie de la Terre en classe de première y font référence. Un chapitre intitulé « Devenir homme ou femme » évoque l'homosexualité et la transsexualité. On y lit que la société peut influencer notre identité sexuelle et qu'il faut respecter les choix individuels. En tout cas, les propos du pape surprennent les professionnels de l'école, y compris ceux de l'enseignement catholique. Alors, un sujet politique qui crée de la polémique, qui divise. Allez, Gabriel, éteins la télé, là, viens manger. Ces racines ne sont pas dans l'enseignement. Un sujet polémique régulier. Il nous saoule avec ça, hein. Chacun fait comme il veut. Un garçon en fille, une fille en garçon, ça fait rien de mal. Enfin bon, bientôt on fera même plus la différence. Si on considère qu'il n'y a plus de garçons et qu'il n'y a plus de filles, on va où, hein? Je suis désolé, mais une fille qui se comporte comme un mec, moi je trouve ça moche, voilà. Et je le dis. Si on voyait les jeunes filles se mettre cracher dans la rue et les garçons se mettre du vernis à ongles, alors... Enfin, t'es dans la caricature, là. Hein. Tous les garçons ne crachent pas par terre et toutes les filles ne se mettent pas du vernis à ongles. Donc c'est bon pour moi. Ouais, je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est que l'égalité des sexes et tout, là, ben, ça va bien, mais il y a des limites. Un garçon, ça reste un garçon, une fille, ça reste une fille. Je comprends qu'ils gueulent, les parents des enfants à qui on apprend, je sais pas trop quoi, sur le genre à l'école, qui après, ils savent plus que c'est qu'un garçon ou une fille. T'imagines? S'il y a quelques années, Gabriel, il t'avait dit qu'il voudrait être une fille quand il serait grand. T'aurais réagi comment, hein? Enfin, tu déformes tout, là. Oh, et puis, allez, on change de sujet. Gabriel, tiens, passe-moi l'eau. Merci. Tu voudrais pas faire une soirée pour tes 18 ans? Ça se fait, quand même. Je sais pas. Peut-être, ouais. Parce qu'on pourrait te laisser la maison avec ton père. Et puis, t'invites qui tu veux. Bah, on fera pas grand-chose, de toute façon, on n'est pas beaucoup avec les gars. Attends, mais pourquoi? Vous êtes pas obligé de rester entre mecs? Mais Gabriel, t'as pas de copine au lycée, toi? Bah, je parle pas trop aux filles. La petite Caroline, par exemple, elle a l'air gentille. Et en plus, elle est plutôt mignonne. Puis elle a une belle allure, je trouve, enfin, elle est... Tu vois, elle est élégante, elle est... Alors, en plus, avec moi, elle est toujours polie. Elle est franchement super craquante. Hein, Gabi, elle est jolie, non? Tu trouves pas? Enfin, bref. Ouais, je dois m'habiller. Oust, grand bébé. Tu voudrais quand même pas voir ta mère à poil? Ah, c'est bon. Dis donc. Hey! Ça va? Ça fait longtemps, non? Ouais. Salut. Ça va? Oui. Et toi? Ouais, très bien. Tu vas bien? Ouais. Salut. Salut. Oh. Ma nièce, dis donc, t'as grandi, toi? Ah, vas-y, rentre. Et Gabriel aussi. Maintenant qu'on habite pas loin, on se verra plus souvent. Salut, ça fait longtemps. Ouais, j'avoue. Ça y est, ça rigole plus cette année, hein. C'est l'année du bac. Hein. Ouais. Qu'est-ce que ça passe vite, mon gars. Un des grands bébés, hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'écho dans ta chambre. Non, moi j'aime bien. C'est un peu triste, enfin...
Je sais pas, moi j'aime bien quand il y a plein de trucs accrochés au mur. J'ai un poster énorme de David Bowie, il prend quasiment tout un mur. T'écoutes David Bowie? Ouais, un petit peu. Enfin, j'aime surtout son style en fait. Je trouve que le rouge à lèvres, ça lui va bien. J'aime bien ta chemise. Tu l'as achetée où? Je sais pas, c'est quelqu'un qui me l'a offert. Ouais, elle est stylée en tout cas. Je peux essayer. Si tu veux, c'est un peu des trucs de mec. Et alors, enfin, je mets bien les fringues de mon copain des fois. Bah, si tu veux. Bah tiens, t'as qu'à essayer la mienne en fait, si tu veux. Ça va pas ou quoi? Je vais pas essayer ta chemise. Mais pourquoi? Ah, c'est un truc de fille. Mais on s'en fout, c'est juste pour essayer, ça se trouve ça rendrait bien. Allez, essaie là. Non. Mais on est entre nous. J'aimerais juste voir ce que ça fait sur un mec. T'es coincé en fait. T'es chiante. Ah yes. Enfin dans ton jean. C'est pas mal. On descend? Comme ça? Ça va pas. T'imagines le malaise? Mais n'importe quoi, ça se voit même pas que c'est une chemise de fille. Si, un peu quand même. Bon, tu fais ce que tu veux, moi, j'y vais. Mais non, c'est contemporain. En même temps, c'était hyper sympa. Non, non, c'était des comédiens. C'était pas du tout de l'acrobatie, mais c'est. Sacha, c'est pas ta chemise, ça? Si, c'est stylé, hein. Ouais. Enfin, on voit quand même que c'est. On voit quand même que c'est une chemise de fille, hein. Mais non, mais enfin, ça marche quand même, hein. Mais si, je te jure, elle était là, genre, pendant 2 heures, elle a rien fait à côté du bassin, soi-disant elle avait mal une côte, ses règles, je sais pas quoi, genre... Comme les autres meufs, là, elles sont toujours protégées par les profs, c'est dégueulasse. Mais grave, moi je vais pas en sport, genre j'ai zéro. Ça va? Faut que ça te plaise à toi. Hein. Ouais, mais enfin, j'aimerais bien avoir ton avis en fait. Bah, ça va, j'aime bien. Ouais, ça va. Ok. Tu la prends du coup? Il faisait chaud dans ce magasin. Bon, je crois que j'allais prendre une douche, ça te dérange pas? Non. Ok.
Merde. Du coup, je m'y effraie. Bon, on trouve en bas? Ça fait longtemps? Je sais plus trop. Un peu, ouais. Je comprends parfaitement, tu sais. Mais tu sais, je veux pas devenir une fille. Ouais, je sais, ça a rien à voir. Bah, t'aurais pu croire ça quand même. Non. C'est pas parce que t'aimes le rouge à lèvres que tu veux devenir une femme. Tu penses? Tu crois vraiment que le rouge à lèvres ne va qu'aux femmes? Non, justement. Enfin, j'en sais rien, en fait. Bon, écoute. Dans le monde qui nous entoure, je suis une fille, et toi t'es un garçon. Mais dans mon monde à moi, t'es Gabriel, et je suis Sacha, et rien d'autre. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, je crois. T'as pas à avoir honte de vouloir être autre chose que ce qui t'impose. C'est pas parce que t'as un pénis que tu peux pas être coquet, être émotif et pleurer ou être effrayé. C'est pas parce que t'es un homme que tu dois être sportif ou robuste et que tu peux pas mettre de vernis à ongles. Ouais, je sais. Mais je sais que tu le sais. Et puis je sais aussi que c'est pas parce que j'ai un vagin que je dois être la plus charmante possible, que je dois maquiller, m'épiler, avoir une voix douce, avoir un mec pour me protéger quand je sais pas le faire toute seule, quoi. Faire attention à ce que je mange aussi, et puis croiser les jambes quand je suis assise dans le bus, parce que sinon ça fait vulgaire, et puis que je dois dire de gros mots. Tu diras rien. J'ai pas envie qu'on croie que... Ce dont tu as envie, c'est de mettre les fringues que tu veux, te maquiller quand tu veux, avoir la démarche que tu veux, et être qui tu veux. Et ça, c'est pas l'écrit aux femmes dans les magasins qui va t'empêcher de le faire. Et maintenant, on fait quoi? On se déshabille. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, c'est fini. Finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils raptaires et dopés de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.